Salut à tous, les potes players of Arkite, c'est les manettes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale où on va aujourd'hui analyser les défis des nouveaux personnages qui seront disponibles pendant le DLC 1 The Darkest Shore. Je crois que ça s'appelle comme ça la map, je sais pas si je la prononce très bien. Mais bref, en tout cas on va voir ces fameux défis car on aura droit à 12 nouveaux personnages. Mais pour avoir ces personnages, comme d'habitude les potos, il faudra faire des défis. Donc je vais vous montrer les défis à faire. Donc il vous faudra tout simplement aller dans l'icône soldat, dossier, puis défis pour voir les défis qu'on aura à faire. Donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'on aura que des petites indices, tu vois. Comme les personnages d'avant, on avait des petites indices pour nous donner une petite piste sur les défis qu'il y avait à faire pour les nouveaux personnages. Et là, on aura les mêmes petites indices. Donc ce que je vais vous lire là, ce sera tout simplement les petites indices que les développeurs nous ont donné pour nous aider à trouver les défis à faire pour ces nouveaux personnages tout simplement. Donc comme personnage, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous voyez les potes players, il y aura 12 nouveaux personnages disponibles dans ce nouveau DLC 1. Donc je suis impatient de voir à quoi elles vont ressembler et tout. Donc sans plus tarder, allons passer aux petits indices que les développeurs nous ont donnés. Donc la première indice, c'est de rien Drostan. J'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. Je n'ai pas gâché la moindre balle. Donc ça, je pense que ce sera une sorte de mission où il faudra viser précisément soit dans la tête du zombie, soit le tuer sans gâcher une balle, ou soit tout simplement où il faudra tirer sur une cible sans gâcher de balle tout simplement. Vu comment c'est dit, je pense que ce sera un défi de ce genre. Le temps ne joue pas en notre faveur, donc ce sera, je pense, un défi où il faudra nous dépêcher, où il faudra faire le plus vite possible. Peut-être où il faudra faire le plus vite possible le secret. Peut-être que c'est ça, parce qu'on avait un défi dans le Final Reach où il fallait faire le plus vite possible le secret, je crois, en 75 minutes. Et là, comme on voit, le temps ne joue pas en notre faveur, ce sera sûrement quelque chose de ce genre. Et donc, là, il y avait un ascenseur, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Ils ne peuvent pas frapper ceux qu'ils ne peuvent pas attraper. Donc là non plus j'ai aucune idée, mais peut-être qu'il ne faudra pas nous faire attraper par un certain zombie, ou ne faudra pas qu'on se fasse toucher tout simplement. Ce n'est même pas la clé la plus étrange que j'ai utilisée. Là j'ai aucune idée de ce que cela veut dire. Alors c'est ça que Strobe cherchait. Donc là je pense que ce sera une sorte de mission. On devra débloquer une arme ou quelque chose de ce genre. Voilà. Je n'ai pas gâché le moindre jolt. Donc ce sera une sorte de défi, je pense, où il faudra bien garder ses jolts et bien les utiliser comme il le faut au moment où il le faut. Le moment idéal pour mettre la main sur ce qui m'appartient. Donc ça, je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire. On va se concentrer sur les fondamentaux. Donc ça, je pense que ce sera une sorte de défi où il faudra faire les secrets le plus rapidement possible dans les manches sans vraiment se soucier de « voilà, je vais prendre cet atout ». Non, il faudra le faire le plus rapidement possible. Une armure me ralentirait beaucoup trop. Donc ce sera, je pense, ça une mission où on n'aura pas le droit de prendre de masto, tout simplement. On n'aura pas le droit de prendre de mastodonte, où il faudra peut-être faire le secret sans mastodonte, tout simplement. Du talent à l'état brut et rien d'autre. Donc ça sera une mission, je pense, où il faudra bien fracasser un zombie, ou ben une rangée de zombies, où il faudra bien les tuer avec peut-être une arme spéciale, où il faudra tuer un certain nombre de zombies en même temps. Donc la mission suivante, c'est je suis trop vieux pour ces conneries. Donc ça, j'en ai aucune idée de ce que c'est. Dans l'obscurité, c'est nous qui avons l'avantage. Donc ça, c'est, je pense, où tu seras, un endroit où tu seras dans l'obscurité. Il faudra peut-être tuer un certain nombre de zombies, ou peut-être quand tu seras dans le brouillard, parce que dans cette map, on sait qu'il va avoir du brouillard et qu'il y aura un ennemi spécial, un zombie spécial qui s'appelle, je crois, le zombie assassin, mais on n'est pas encore sûr de son nom. Et donc, je pense que quand tu seras dans ce brouillard, il faudra bien faire les choses tout simplement pour débloquer ce défi. Vous devriez voir dans quel état est l'autre type.
Donc ça, c'est, je pense, je sais pas si vous avez vu le trailer, mais pour ceux qui ont vu le trailer, les potos, il y a un mec qui se fait tuer dès le début du trailer, où il y a des sortes de machines de torture sur lui, et où il crie fort parce que ça le fait carrément mal. Et tout simplement, ce sera la mission où on verra son état à la fête du secret, peut-être qu'il sera déformé comme jamais tout simplement. Et pour débloquer ce trophée, il faudra tout simplement finir le secret et voir l'état du mec tout simplement. Comment il sera. Ne gâchez pas la surprise. Donc ne gâchez pas la surprise, j'en ai aucune idée. Ce défi-là, j'avoue que il a l'air bien. Il a l'air bien, ne gâchez pas la surprise. Donc ça a l'air d'être un bon défi peut-être. Les nouveaux amis sont aussi intéressants que les anciens. Donc ça, je pense que nous avons déjà eu des types de zombies sur The Final Rage. Il faudra faire des défis qui auront un rapport avec ces anciens zombies. Ça veut dire les zombies ont bombardier. Peut-être que le Brunner va faire son retour. Et peut-être qu'il y aura un défi avec ces zombies-là. Après, c'est ce que je pense. Mais peut-être que c'est pas ça, les potos. Donc voilà, je dis au moins mon opinion. Une balle et une pelle, je n'ai besoin de rien d'autre. Donc ça, je pense qu'il faudra garder le M1911 avec la pelle. Et faire le maximum de manches possible, ou carrément peut-être faire le secret avec ça. Donc voilà, ce serait un peu chaud de faire le secret. Je pense que c'est le maximum de manches possible dans la First Room avec le M1911. Ils n'ont pas intérêt à toucher à mon château de sable. Donc ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'on leur coupe la tête. Donc ça, ce sera un défi où il faudra faire des headshots. Ça se voit à 2000 à l'heure. Ou soit faire des headshots avec la pelle, tu vois, comme quand on coupe la tête des zombies. Pas la moindre égratignure. Parce que ça, ce sera une mission où il faudra pas mourir, tout simplement. Il faudra pas tomber par terre, je pense. Donc, un corps en mouvement reste en mouvement s'il ne veut pas mourir. Donc, ça, j'en ai aucune idée de ce que ça veut dire. N'ayez pas peur du feu et ayez peur de moi. Donc, ça non plus, je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. On doit faire des sacrifices. Aucune idée, les potos. Aucune idée. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ce défi. Dites-moi vos analyses à vous, ce que vous en pensez, ce que vous pensez que cela veut dire, tout simplement. Et je prendrai tous les commentaires et peut-être que j'en ferai une autre vidéo où je prendrai vos commentaires et j'essaierai de les placer parmi les défis pour voir s'il n'y aurait pas des petites coïncidences. Des amis, non, ils me ralentissent. Donc ça, je pense que ce sera un truc où il faudra faire le secret en solo parce que des amis, non, ils me ralentissent. Ça veut dire laisse-moi le faire en solo, tout simplement. Donc là, dans ce défi, je pense qu'il devra faire le secret en solo le plus rapidement possible. Après, pourquoi le plus rapidement possible? Parce qu'ils disent non, ils me ralentissent. Donc voilà, il y a le mot ralentissent. Donc je pense que c'est, voilà, il faudra faire le secret en solo le plus rapidement possible. Ça se voit à 2000 à l'heure. Je suis 4 fois plus cher. Donc ça, j'en ai aucune idée de ce que cela veut dire. Aucun homme n'est une île sauf moi. Alors là, il faudra chercher parce que là, j'ai aucune idée. Franchement, aucune idée. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. L'artillerie, c'est moi, l'artillerie. Ils ont intérêt à dégager. Donc, ce sera une mission là où il faudra, je pense, foutre le bordel, foutre la pagaille avec soit l'arme spéciale et tout. Il faudra tuer un maximum de zombies en même temps. Parce qu'ils ont intérêt à dégager. Ça veut dire, si vous restez là, vous allez mourir tout simplement. Donc, vous avez perdu plus que votre portefeuille. Donc ce sera une mission où il faudra bien utiliser ses jewels. Où il faudra utiliser un maximum d'argent peut-être pour ouvrir toutes les portes de la map. On sait pas, on verra bien. 2 pour avoir bronché. Donc ça, je sais pas. Regardez les cavaler. Donc ce sera une mission où peut-être qu'il y aura un zombie. Peut-être qu'il y aura un type de zombie où il faudra courir derrière. Peut-être les zombies trésors. Et il faudra les tuer le plus vite possible. C'est pour ça que c'est regardez-les courir. Regardez-les cavaler tout simplement. C'est ben on les regarde courir, mais il faudra les tuer le plus vite possible. Peut-être, qui sait. Et ne bouge pas. Alors là, j'en ai aucune idée. Champion du monde au jeu du chat. Alors là. Si vous ne supportez pas la pression. Donc là, j'en ai aucune idée. Bon, voilà le player, cette petite vidéo est terminée. Si cette petite vidéo t'aura plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Cela me ferait énormément plaisir.
Pourquoi on tèterait pas un petit objectif qui sera l'objectif des 20 pouces bleus les players pour cette petite vidéo? En tout cas, je compte sur vous les pot players pour cet objectif. Je sais que vous allez m'exploser cette barre de pouces bleus car vous êtes une communauté vraiment super sympathique. Donc voilà les pot players, cette petite vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre un maximum de hashtag DLC1 dans les commentaires si vous aussi vous êtes hype pour cette nouvelle map zombie sur World War 2 tout simplement. C'était Marky Gaming, sur ce, prenez soin de vous les players et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!